Nous sommes. Enfin, je suis. Toujours. Tout seul. Ah. Regardez-moi ce canard. Et il manque la tête, mais je la retrouve quelque part. Regardez-moi ce joli canard en étant à côté de d'un coq. Donc j'utilise le coq. Nous sommes donc toujours encore le vendredi 11 décembre de l'année 2020. Il est 9h21h30. Et alors aujourd'hui, j'ai eu que des bonnes nouvelles. Mais alors, des bonnes nouvelles, donc Bouygues Télécom, donc qui m'envoie parfois ma papier. Avis avant procédure contentieuse. Cela peut restreindre au taxé auprès de Monsieur Bouygues. Vous pouvez attendre jusqu'à mardi ? Que je touche ma prime de Noël pour vous payer ou peut-être vous n'arrivez pas à finir le mois. Sinon, il y a les restos du cœur. Cassé. Affaire cassée. Alors, ça c'est. Ah ! Le SDEA. Comment qu'ils veulent ? 146,10 euros. Avant le 8-1-2021. C'est jouable, donc si monsieur Jean-Pierre Piella du SDEA, bah, vous me filez un boulot. C'est pas en me zappant, en me bloquant sur mon compte Facebook principal, philippe.stocker. J'en ai 10 des comptes Facebook. Je peux, parce que je suis un expert, en ouvrir 12 à l'heure. C'est vraiment très faisable. C'est une facilité. Un gamin de 15 ans vous fait 5 ans. Ça. Alors, type. EDF. Message, ben je vais leur envoyer cette vidéo à ma conseillère EDF. Sauf erreur de notre part, ce jour, nous n'avons pas encore reçu le règlement de votre facture du 15 ans. C'est un montant de 557,70 euros. Alors, it's as simple as that, parce que j'arrive pas à contacter ma référente RSA. Marie Laurent, celle qui m'a fait chanter. David Diop, le responsable des assistantes sociales du CMS d'Irstein. Je vais vous filer leur numéro, vous allez essayer, moi j'arrive pas. Peut-être vous arriverez plus facilement. Voilà, pour vous montrer que je raconte pas de conneries, 21h32, vendredi 11 décembre de l'année 2020. Ah, c'est bon, ça continue à filmer. Jour Verador, ma maman aurait eu aujourd'hui 90 ans. Je retrouve plus. Un jour des radars. Souriez, vous êtes flashé, il est passé. Jour des radars. Alors, à ma conseillère EDF. C'est sécurisé. Vous n'avez pas eu mon code. Faites gaffe parce que dans les boîtes de nuit, tout ça, dans les bars, il y a souvent des dômes en haut. Ils voient votre code. Et puis
Nous, les Oatignaux, ils arrivent à voir les yeux d'une mouche. Donc, votre vie privée. Ah, ma boîte. Et Anne Philippe Stocker, ma boîte. Alors. Donc. Marie. Paul. Horn. Alors, qu'est-ce que j'ai comme numéro? Il doit avoir probablement un numéro de téléphone portable. Non, à ce moment-là, Macron, c'est RBF, vous appelez Frédéric Berry. J'ai un 03 69 33 22 14. Alors, journal d'appel. Le 2 novembre à 15h10, 33 secondes. Le 9 octobre à 19h02, annulé. Le 9 octobre à 19h02, annulé. Le 9 octobre à 10h47, 8 minutes et 37 secondes. Je crois que c'est le jour où elle a très probablement voulu. Demander une expertise psychiatrique de Philippe Stocker. Pas de bol. Giop, David. 06 86 45 03 97. Journal d'appel. Alors, 7 décembre, 6 décembre, 6 décembre, 5 décembre, 3 décembre, 1er décembre, 28 novembre, 26. 26 novembre, 24 novembre, 24 novembre, 21 novembre, 19 novembre. Oh, yeah, ça défile. Là. Et alors, comme je suis un expert, il suffit d'appuyer ici sur plus. Et puis, voilà. Comment ça marche de nouveau? Tac. Bah on peut envoyer tous les textos par mail, donc je vais vous envoyer à ma conseillère LDF toute la série de textos. J'ai des comptes. Il n'y a personne, Gaston, il y a eu le téléphone qui sent, et il n'y a jamais personne qui y répond. Voilà. Classé. J'en ai deux. Je double toujours pour des raisons de sécurité. Il y a, je crois, au niveau des probabilités, vous avez très exactement 86%. Donc, que 14% de, au niveau probabilité de risque que deux trucs tombent, deux machines, n'importe quoi tombent en panne en même temps. Donc, si vous doublez les trucs, bah, vous limitez le risque d'oubli. J'ai oublié de oublier. Je sais plus qui chantait ça. Ah, 10 centimes. Une ancienne carte whitelist.fr. Il n'y a pas de solution. Sans problème. Ah, ça c'est artistique ça. Je la montre. Gros plan. Je n'ai plus le site. À l'époque, un psychiatre m'avait demandé à quoi ça sert. Ah bah. Pour pas oublier, it's as simple as that, end of.